Alors qu'il n'avait pas fait de télé depuis 10 ans, Francis Huster a décidé de signer son grand retour dans la nouvelle série Ici tout commence. La série débute le 2 novembre à 18h30, mais le personnage incarné par Francis Huster n'est pas inconnu du public puisqu'il a déjà fait son apparition dans Demain nous appartient. Si Auguste Armand a d'abord décidé de se faire passer pour un fan de Rose Latour afin de se rapprocher d'elle, les spectateurs ont vite découvert qu'il s'agit en fait de son père. Rose, qui considère son père comme en partie responsable du suicide de sa mère, ne va pas l'accueillir avec plaisir. Cependant, leur relation va s'améliorer au fil des épisodes, ce qui permettra aux fans d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Auguste Armand est donc un chef renommé et multi-étoilé. Il est aussi le fondateur d'un institut à son nom, destiné à former les meilleurs cuisiniers de France. Cependant, sa réussite lui a demandé quelques sacrifices puisqu'il a dû laisser de côté sa vie de famille pour pouvoir se consacrer pleinement à sa carrière. Il s'est séparé de son épouse peu après la naissance de ses deux filles, Rose et Clotilde. Il est parti uniquement avec Clotilde, laissant sa fille cadette avec son ex-femme. Mais le suicide de sa femme n'a pas arrangé sa relation avec Rose puisqu'il ne s'est jamais occupé de celle-ci. À 70 ans, lorsqu'il découvre qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre à cause de problèmes cardiaques, il décide de renouer des liens avec Rose. Il lui propose donc de le rejoindre à l'Institut en tant que nouvelle responsable des éditions Auguste Armand et de l'accompagner dans l'écriture de ses mémoires. Il y retrouvera également sa première fille Clotilde. Peut-être un nouveau départ pour la famille finalement réunie? En attendant de découvrir le premier épisode ce lundi 2 novembre à 18h30, voici la bande-annonce de la nouvelle série TF1 dans laquelle vous pourrez retrouver Francis Huster. The man I love just has